C'est que les oiseaux. Ça va? Ouais, très bien. Ça c'est une surprise. Avant, il disait que je fouillais Kasumbalesa.
Tout le monde disait, oh, tu as fui, Okimi. Okimi n'a pas soumbalé ça, tu es parti. Après un temps, les gens ont commencé à comprendre la structure du rachid. Dr. Close, c'est quoi il fait, comment est-ce qu'il évolue, et tout autour de lui, et comment les gens l'entourent, et tout. C'est comme ça, les gens ont vite compris que non. Il y a d'autres personnes qui me disaient, Dr. Close, on a quoi à Mwanyandoro? Parce qu'il me voyait tout le temps, je traînais ensemble avec Agressivo. Lui, il m'appelait de temps en temps, et quand il a affaire et tout. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est Bantu Dube, on a mis Mais je suis avec un groupe agressif. Mais tu fais quoi derrière lui? Par exemple, on voit ces images. On voit ces images où il prend un trophée de Katanga War. Oui, c'est mon ami. C'est toi, ami, c'est juste un ami qui te dit, voilà, close. Là, tu jouais le manager. Même pas le management, c'est un ami. C'est un ami qui te dit, aujourd'hui, je pars à Katanga World, je suis nominé, ils étaient nominés, il fallait l'accompagner. Alors Katanga Billy avait sorti des invitations. Il sort l'invitation pour l'artiste et son invité d'honneur. Donc là j'étais son invité d'honneur. On sort que des invitations. Les invités d'honneur, on avait pas. Non, c'est juste pour soutenir ton ami. Soutenir ton ami, je prends et puis. Ce n'est même pas, on peut go car alors vous inguinez à l'avance l'entrée quand on est en train, on a commencé à poser l'été au Ça te plaît de faire ça? Ouais. Ça te plaît de faire ça parce que c'est ton ami. Artistiquement, ça ne posera pas problème à l'avenir. Même pas. Quand Agressivo, il porte mes t-shirts du Rochette, pourquoi vous ne dites pas qu'il est du collectif Rochette? Non, on va en parler tout à l'heure. C'est ça le problème. T'en fais pas. Ah lui, ça est là. Voilà. Ouais, quand lui porte ma marque là, pourquoi tu ne dis pas que agressif, toi tu fais partie du collectif du Rochette? Il me soutient, moi je le soutiens aussi. Non, c'est réciproque. Ni Zama, ni papa. Absa, c'est ce que vous êtes en bonne relation avec lui. En bonne relation ou pas, on est en bonne relation, on s'écrit souvent, mais on ne se voit pas. Pas comme avant. Voilà. Est-ce que ce n'est pas dû à cette photo qu'on va voir? Un Samson. Et ce n'est pas dû à cette relation ici. Même pas, tu sais. Quand il a vu que bon, les gars commencent à aller vers mon adversaire. Quel adversaire? Bon, je ne sais pas si Kadia c'est son adversaire. Ah non, oh, graphique, comment tu ne sais pas? C'est l'adversaire de Nyandoro ou bien. Parce que non, la chiaka. Il y a un adversaire agressif ou une chiaka des fois. C'est l'adversaire d'oxygène. Je ne sais pas. Non, ouais, toi tu es son ami. Moi je suis son ami, je suis l'ami à Kanyera, je suis l'ami à Oxygène, je suis l'ami à Pisson, je suis l'ami à DJ Chris DNM, je suis ami à DJ Polepole. Polepole Slowly. Très bien. Alors, répondez-nous d'abord à la question. Banassé Wenjo ou Rilabicha relation à Kanyera na agressive. C'est vrai. Parce qu'on te voit. On peut revenir sur les photos. Il y a la picha na Ouyou. Après deux jours. C'est ce que je te dis. Est-ce que nécessairement je suis obligé de traîner tout le temps avec Agressivo ou soit avec Kanya? Moi je suis libre de marcher avec qui je veux. Avec qui je veux. Hein? Donc aujourd'hui ça peut me réveiller. Du coup j'ai dit bon, aujourd'hui on va marcher avec Albert Léo. Ça pose problème? Non mais avant on te voyait souvent seulement avec Parce que on était entouré, on était sur une même place, lui il était là, on était devant ça et tout, c'est tout à fait normal. Pourquoi mon petit groupe nous qui a mon bélair? Qui groupe Canibé? Qui est un musicien, c'est encore quoi? C'est quoi encore? Moi je sais pas. Non j'ai oublié le nom, votre groupe là de... Ça c'est le staff. Ah ok, le staff No Limit. C'est l'association de beaucoup de groupes. Non je fais partie. D'accord. Bon, réponds-moi maintenant à la question. Vous êtes en bon terme avec Agressivo aujourd'hui? Pourquoi pas? Bien sûr. On se voit pas une autre tout le temps. Bien sûr. Les jours de mon anniversaire, et le 5 mai d'ailleurs, je vais enterrer demain. Demain, ça sera le 31. Ouais. Tu vois, tu avais vu mes statuts. Kanyera m'a souhaité, il y a Agressivo, il y a Anomalix, il y a Fichuan. Moi, tu gagnes quoi dans ces relations-là à partir de. De Lubumbashi, je ne sais pas ce que je gagne avec tous ces artistes-là. Moi, je ne gagne pas des choses et je ne sais pas aussi ne gagne pas. De toutes les façons, on est juste des amis. On partage de bons moments, tu vois. On partage de bons moments. Moi, j'avais dit un jour, laissez le temps, autant les gens vont comprendre quelque chose. Les gens disaient, oh non, lui, il est à... Les jours qu'on était invités d'abord,
cette carte que je vis avec Kagnera. J'étais moi, Kagnera, Majus. Il n'y a pas seulement ça. C'est que je suis avec Kagnera. C'est seulement que sur les réseaux sociaux, ça avait tapé. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de sites qui ont partagé. République Vie, j'ai vu partout. Tu sais pourquoi? Pourquoi on a partagé? Moi, je sais. C'est parmi les photos qui ont fait buzz 2019. J'ai vu des sites commencer à partager. Moi, j'avais juste partagé entre nous, entre amis et tout. Et tout. Après, mon rapport. Mais je, même pas. Je ne sais pas comment Trukosana est agressif ou pas. Selon lui. Parce que moi, personnellement, je sais que Agressivo, c'est juste un ami que je collabore avec lui tout le temps. D'ailleurs, dans mon album, je vais peut-être l'inviter. Très bien. Voilà. Maintenant de ton album. Avant, bien sûr, d'y arriver, nous sommes en confinement et voilà. Nous avons voulu revenir sur tes prestations. On va prendre d'abord la prestation de Betamax. On va voir en 30 secondes et puis on revient. Voilà, des retours, ça va? Ouais, très bien. Là, tu t'es senti très bien. Ouais, calmement. T'étais au concert de qui? Ça fait très bien. Bien swagué, en communication avec la population, tes fans. Ouais, et... ouais, tu sais, ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement qui soit en mouvement, tu regardes beaucoup de gens comme ça, et ta main, c'est plein. Ouais, bon, 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 bon. Non, Kichwamubu, ça, je ne suis pas des gens comme ça. Il y a des gens qui nous traitent de loin, ils te voient de loin, ils ne te voient pas tout le temps. Amkalagena, ils te disent, ouais, le gars là, c'est un têtu, c'est un orgueil. Mais quand tu le vois en face, ils te disent, ah non, le gars ici, le close, il est plutôt plein. Mais ou sinon, Chakutumi Kandosan. Chakutumi Kassana, à part ça, après confinement, tu vas voir mes grands concerts à Kalemi. À Moba, il y a déjà des dates signées ou il est au shopping? Il y a déjà des climbing, on a déjà fait, okay. Mais c'est vraiment sûr et certain que ma confinement, je vais tout faire un peu. Mais déjà, il y a des producteurs qui ont déjà tout fait. Voilà. Mais il y a aussi l'autre concert que moi je qualifie de raté, ok, parce que j'étais là où j'ai filmé. Et je n'avais pas aimé la prestation. On va voir, Samson, on va y aller. Kumuisho, il y a vidéo vers les 1 minute. Je vois que tu vas te souvenir, c'est okay. En juin 2017. Voilà, il y a 3 ans. Tu te souviens? Ouais, je me rappelle, mais c'était juin 2017. À... 2017, hein? Ouais, ouais, j'étais chez Médard. Derrière là-bas. Oui. Là, c'était oh moi, non, là. Médard, oui, d'accord. Derrière là-bas, donc, Sima Médard, j'étais la première personne à livrer là-bas. À livrer là-bas et tout. Parce qu'on m'avait donné le nightclub. Moi, je dis, ce sont les showgames, moi, je ne peux pas faire ça. Donnez-moi une grande place, là, je pourrais. Mais par rapport à ça, le dernier live qu'on veut voir et l'autre de Lubumbashi. Non, le problème est que ça, c'était plein. Il fallait voir. Ça, c'était quelqu'un juste qui filmait avec le téléphone. Toi, tu avais filmé ça où? Non, il y a la, nous avons l'intégralité. T'en fais pas. C'était vraiment plein à craquer. Je crois que c'est un petit de mon collectif qui avait filmé avec son téléphone, d'ailleurs. Mais c'était plein. Le problème est que ici à Kasumbalé, ça, il faut trouver la culture à quand de soutenir les artistes d'ici. Tu sais, à Lubumbashi, quand tu lances un concert, Betamax, les gens qui te viennent du golf, Katouba, Rouachi, ils viennent te soutenir là-bas. Mais là,
peut-être tu vas comprendre que les gens sont une approche de toi. Même si c'est bon, quand je fais mes concerts, je ne rate vraiment pas. Parce que je ne fais pas tous les jours. Moi, je traîne. Dernièrement, je livrais 6 concerts, c'était il y a une année. Il y a une année. Et on devrait faire un concert chez CDC, le premier, ça a raté. Parce que mon hasard Kofia n'a pas dit. Oui, oui, mon regard a dit qu'il faut accepter. C'était le non-respect du producteur. Du producteur. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez respecté. Moi, je suis un bon cassier, ma fan, ma picana, ma Kofi. Non, franchement, je suis un bon cas. C'est ça. Même pas. Mais ne pas vérifier. Alors, parlons de ton album parce que nous chitons dans l'entretemps. Okay. C'est un premier album, My Africa. My Africa. Est-ce que nous en sommes? Ouais, My Africa. Ça n'a pas connu un coup de promotion? Compte tenu de promotion, surtout le management. Mm. Management, c'était toujours moi, c'est moi qui a produit ça, c'est moi qui faisais tout. Et jusque-là, il y a toujours d'autres chansons qui n'étaient pas encore sorties d'abord dans cet album. Mm. Le titre d'abord de la chanson My Africa, ce n'est pas encore sorti. Mais compte tenu à ma possibilité, à même mieux comme j'ai voulu, trop personnel, c'était vraiment trop difficile. Mais après ça, il y a mon nouveau truc qui arrive, N2P. N2P, ça arrive d'ici là. Mm-hmm. Voilà. Très bien. Alors, Samson, est-ce qu'on peut prendre... Ouais, je crois que c'est... On va prendre ça à la fin. Bien sûr, c'est le freestyle que tu as fait, extrait de ton album qui arrive. Okay. Ça signifie quoi, NDB? NDB, je crois que je vais bien expliquer cet album quand je viendrai avec l'affiche. Et le designer, comment est-ce qu'il travaille, je vais te dire NDB, signifie quoi, ça a commencé où et tout et tout. Je crois il y aura combien de titres? 10 titres déjà. 10 titres, il y a la chanson Tombola Mboka, phase promotionnelle, ça doit sortir ici, j'attends juste un coup de signal et tout, je lance déjà la chanson ou déjà c'est déjà prêt. C'est très déjà bien. Fait. Il y a combien de collaborations là-bas? Parce que tu nous as parlé des gagnants que tu peux collaborer avec. Moi je vais collaborer avec tout le monde. Tu sais, depuis que je suis à Mombasa. Donc sur tous les 10 titres, ce sont des collaborations. Même pas. Il y aura 5 peut-être ou soit 4. Moi je peux collaborer avec tout le monde. Pas Kulanda. C'est juste le temps. Parce qu'il y a un problème, non? Il y a un problème. Il y a des projets, j'avais déjà. C'est quoi encore? Shinitoke, des titres comme ça. Le Shinitoke. J'avais appelé Pison, il était chez lui à Kalemi, il était en tournée. Donc, compte tenu des rentrées, moi j'étais à Kasumbalesa aussi, j'ai joué mes concerts du fin de l'année et tout et tout. Du coup, ça a perturbé des situations. Après, il est rentré, il a fait quelques jours, il est parti en Afrique du Sud. Ça complique un peu des calendriers. Ou sinon, j'ai beaucoup de projets avec tous les artistes, et beaucoup d'artistes d'ailleurs de Lubumbashi. Moi, c'est pour la première fois dans mon album, je vais faire appel à un artiste. Mais c'est parce que moi, je me collabore. Michel a collaboré. D'abord, artiste, c'est Bamingi. Bamashibash a collaboré avec Jordan. Pas Jordan. Jordan, il est de mon collectif, c'est tout à fait normal. Mais moi, à Lubumbashi, voir que. Oui, tu vas appelé. On m'a déjà appelé. Agressive, on m'a déjà appelé deux fois. Même Chamoutak. Chamoutak. Parlez-nous d'abord de ton featuring là avec un Nigérien comme ça. Oh, c'est H2Z. Okay. C'est un artiste musicien évoluant à Kinshasa, mais il habite en Afrique du Sud. Très bien. C'est un Congolais, H2Z. Ouais. On a collaboré avec la chanson She's So Beautiful. Beautiful. D'ailleurs, on doit revoir le clip. On doit revoir le clip parce que lui-même l'avait refusé de le lancer officiellement. Très bien. Alors, parce qu'il n'y aura pas. Non, sans problème. Très bien. Alors, on va y aller avec les questions des téléspectateurs. Et c'est là qui nous suivent. Voilà. Allez, on va lire quelques 3-4 questions pour faire plaire aussi à ceux là qui nous suivent. Alors, c'est qui? Kelly Robat, qui salue Dr. Close. Il dit que je vous suis très bien, 5 sur 5. Robat Makuta. Tout n'a eu Azawapi. Après, Awanazoya, Kenny Robat. Lui, c'est mon collègue. On a commencé à ça. L'album a été au Kenny. Ouais. C'est long, hier.
selon ye, il fallait ni monnaie ye, peut-être. Il était sous toi. A débloqué ma situation, moi. Et Robat Makota, que lui Robat. En tout cas, lui, c'est un gars bien. Très bien. Ouais. Alors, l'autre, il pose la question. Bonjour Albert, qui est le président des musiciens? Demande à Dr. Bruce. C'est Moukeba, le petit savant. Le président des musiciens de Kasumbalesa. Le président des musiciens de Kasumbalesa, je crois que c'est son passolo. Tu crois ou tu sais? Ouais, je crois bien. Voilà, c'est son passolo. Ok. Bertoni Miaka dit que tu es trop swag, tu n'investis pas. Je suis trop swag, je n'investis pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas voir la sana. Ouais, mais déjà, statut en le monde qui. Quand tu apparais quelque part, déjà, il faut que tu sens vraiment que c'est. Va sentir Versace. Voilà. Il y a les collections de Rochette, ma marque. D'ici là, la boutique de Rochette, et une affaire à pas sous-station. C'est un projet déjà d'ici une ou deux semaines, une semaine. Ah, il y a ma polo à vous les quais. Moi, je te dis, oh, chaud, voilà la polo à vous. Oh, je suis parlé à vous. Non, on a bien la news. Quand vous avez essayé de vous à ta polo, c'est tout à fait normal. Ou de ces magiques qui ont été dirables. C'est lui qui ne vient pas ma concert et vous attend ma polo à dire Rochette. Tu peux même le céder. C'est ça, soutenir un artiste. Soutenir un artiste, de ne pas me voir à la route, tu dis ah, Klaus, tu rappes bien, tu chantes bien. Ça ne suffit pas. Il suffit que. Ah, Klaus, t-shirt, polo à dire Rochette, c'est combien? C'est autant. Ah, je te paye. Là, il y a maman, maman, Fulani, de dire que Klaus. Tu chantes bien, il chantait bien, beaucoup de gens te disent ça sur Facebook, sur Instagram, tout le temps, Dieu tu auras bien et tout. Mais ça ne suffit pas. Il faut soutenir vraiment. Alors, tu peux nous lire cette question? Voilà. Bonjour, est-ce que. Non, tu peux les lire, quoi, l'intention. Bonjour, de tous. Est-ce que tu humiliais pas? Platson, mais il ne réagit pas. On dit que toi on te clash par Platson, mais tu ne réagis pas. Pourquoi? Platson, c'est qui? Bon, je ne sais pas. Un artiste de Kasumbalesa. Je connais même. Artiste de Kasumbalesa, je connais DJ Mpolipole, je connais Jordan Kess, je connais Super Solo. Et quoi d'autre? Moi, je ne connais pas beaucoup des artistes musiciens ici. En réalité, nous, on a fait rêver Kasumbalesa. Aujourd'hui, si pour parler en termes de légende, Takuba, la légende vivante, c'est nous. Ah, c'est moi qui m'a été. Moi, je me dis, Takuba demande aux gens s'il faut parler en termes de légende. Nous, on a fait rêver des jeunes en Kwangarive, en Tafranchka, en Makwa, rappeur, en Zemizi. Mourbangapi, va le légende. Bah, légende, moi d'abord, je suis légende. Oui, Mourbangapi, les légendes vivantes. D'autres personnes, moi, je ne connais pas. Tout ce cas. Ouais. Ni légende. Soupa. Soupa une légendaire. DJM. Ouais, et qu'on a eu un chemin à quoi les gens. L'émission est en train d'aller vers la fin. Il sera aussi légende. Voilà. Alors on va terminer par cet élément, revenir clôturer cette émission. Samson Steven, on va parler maintenant des confinements chez les artistes musiciens de Kasumbalesa. Comment ça se passe? Voici ces reportages. Voilà, le reportage sur le confinement vient avec Samson Steven Kasunga et on revient sur ce plateau pour clôturer l'émission. Merci à Enoch Photo depuis l'Afrique du Sud. La décision prise par le président de la République sur l'état d'urgence en RDC frappe la culture congolaise. Les artistes, comédiens ou musiciens passent les temps de confinement dans la précarité. Privés déjà de la scène, aucune production n'est autorisée. Difficile d'être en contact direct avec ses fans. Ma activité est la mingi sana parce que chaque samedi, il faut ma couple pour aller animer la soirée, mais il y a pas moyen d'organiser ma soirée de mariage, il n'y a pas moyen d'organiser ma soirée d'anniversaire, il n'y a pas moyen de produire parce que on avait le programme de se produire à Lubumbashi spectacle à Messe du Rire, dire quoi bloqué. Alors, nous sommes obligés à Kwanza Kutumika en ligne comme tu le constates. Donc, on a tout mis en ligne. Je fais les histoires, des blagues, des gags. Tout n'avait qu'en ligne, je vois ma fanatique et tout. Pendant ces temps, d'autres artistes sont en studio, soit pour préparer une chanson sur le Covid-19, soit pour préparer une quelconque production à l'avenir après la crise sanitaire.
Comment vivre actuellement si l'on dépend que des revenus scéniques? Un artiste musicien tente de nous répondre. La nourriture y est toujours. Donc on mange, mais c'est pas comme d'habitude. On vit pas comme d'habitude. Donc c'est différent comme avant, avec le confinement. C'est différent, totalement différent. Plus qu'on est à la maison, plus il y a tant d'inspiration. Plus qu'on est à la maison, plus qu'on a beaucoup à réfléchir. Plus qu'on est à la maison, plus qu'on a un peu de l'émergence dans la spiritualité, dans la musique. Voyez un peu ça. Plus qu'on est à la maison, l'énergie artistique, c'est... Confinement pour les uns, état d'urgence pour les autres. La culture congolaise traverse une période de pugilat face à la vente numérique. Après cette crise, des surprises sont donc attendues. Ou sinon, après le confinement, bin tubiko bya mingi bi unakuya baje attendre bitu bya mingi. Bile atupende kutosha ta confinement parce que ta confinement on a constaté pour nous qui travaillons en ligne, ville tout bin tubi dans akwenda bien de tana sa bile a bien de tena mita ya confinement. Ça ne va pas mon confinement. Il vient mon en contact avec la public. Waouh, franchement, ni problème. Il y a un cas qui est privé afin qu'il y ait la fin. Mais il y a un problème. Il y a l'état où il y a une malarie ou un peu partout. Il faut supporter vraiment le caprice. Il y a eu le Gounenda. C'est sûr, on est resté loin du public, mais on ne s'est pas lâché vraiment du coup. C'est pour cela que tu as lancé ma. À bord, il y a ma COVID-19, il y a des freestyles qu'on lance chaque temps. Et puis, ça, des fois, il m'a chico, ma Instagram, il y a le live, pour qu'il y ait un tout de Ambari dans la public. Je crois que c'est. Très bien. Alors, un petit message, je te donne 30 secondes. Tu dois adresser un petit message pour Caméra Yako, à tes fans qui t'écoutent, parce qu'on est en fin d'émission. Déjà, fin. Ah ouais, l'émission. L'émission. Voilà, n'est-ce pas ça, grâce émission, à l'émission qui est en train de nous suivre depuis papa, de au bois qui est déjà trop en main, au bois qui est à bord, mon côté. Regardez mon col émission. Salon, Tokos, via et puis chez Trésor, ma tonne. Ah ouais, au bois qui était, veut dire, où est bien, t'es la casse pas, c'est toi, on a contrat, hein. On a contrat, Léna, dans quoi faire, dans la Sima, je crois. Yo, Yébi, Brenik et Fanoui, Florent Matati. Salon Tokos VIP chez Trésor Matondo Mutunanga ya Kalakala. Si je viens, souvent je passe là. Il y a je salue Tokumba en train de me suivre. Tokumba ngana benga Shukurtino. Donc il y a nanga depi. Donc lui aussi c'est une légende. Il faut le signifier, c'est une légende dans la presse. Donc ce sont les légendaires, les balles, les sarments, ce sont les légendaires. Très bien. Merci à l'autre qui gicle le monde. Voilà. Je suis depuis Lubumbashi. Je crois que l'émission est suivie un peu partout. Parce que la routine de l'appelien. La routine de l'appelien, je vais partager. Merci à Mike Issefa depuis Lubumbashi. Merci à Lionel Messi Papson. Merci à Eric Elbashi. Mutulanga Yakati depuis quelque part. Merci à Mike Mukekwa. Donc je crois que je n'ai pas beaucoup de gens trop cités. Et au premier au Bora Bato, équipe Nanga à production émission. Ouais, franchement, ce sont des gens bien. Des gens bien. Quand tu viens à Gasumbale, ça, ils t'accueillent très très bien et tout. Et surtout Hiro. Number one, Hiro. 1000 bouchons. Hiroan. Et surtout, je salue mes fanatiques que j'aime bien. Dr. Close, So Close, le boss. Merci à Jordan Kesh, je me suis depuis sa résidence d'Hero House. Merci à Trésor Manager Kassala, il est ici à Kasumbalesa. Merci à tous mes amis, Soupa Solo, Mikiloa, il y a beaucoup de gens. Très bien. Alors, on retrouve Dr. Close sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook. Et surtout, c'est très important. Quand tu vois la culture, tu abonnes à ma page officielle. Il y a Dr. Close. Vous avez 5 Beaucoup. J'ai beaucoup donc. Il y a des fans un peu partout. J'en ai trop. Moi, je suis abonné à Dr. Close officiel, Dr. Close boss, Dr. Close officiel. Tu écoutes à 3 fois. Il y a Dr. Close du Rochette, il y a Boutique du Rochette. Il y a beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup de pages.
Très bien. Alors merci Dr Close d'avoir été. Surtout on a ce numéro en angate. À tous les gens qui veulent contacter Dr Close, n'hésitez pas toujours de faire le 097 057 15 75. J'ai répété 097 057 15 75. Numéro en WhatsApp, mais il y a un appel. Parce que quand on a dit ta pita, c'est si ou qui n'a dit pas WhatsApp. Numéro privé, en tout cas j'appelle avec négation. Quand on a fait une ambiance, ma maman te parle moi sur WhatsApp, c'est le numéro qui est resté sur WhatsApp. Ok, tu n'as pas cette pita, mais quand tu m'écris, tu vas voir que je vais réagir. Alors. Très bien. Alors merci à tous ceux-là qui étaient en train de nous regarder. Merci à Dr Close d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes. L'émission. Ça date de très longtemps, il y a deux ans passés que j'étais dans cette émission, c'est deux ans, trois ans. Oui, oui. Tu vois, sur vos traces, c'est une très belle émission, structure, d'abord c'est propre, et puis ça s'encadre avec nous. Parce que moi, je suis comme ma émission est Mingi Mingi, que je ne vole pas, elle m'en passe. Ni l'émission est Kouchimi, en tout cas, moi je ne passe pas. Quand je suis ici, je me sens vraiment à l'aise, sur vos traces, c'est propre, c'est clean, on respecte les artistes, des légendaires surtout, comme nous. En tout cas, je suis très fier de toi, Albert Léo, pour l'effort que tu fournis. Pour qu'il y ait l'émission Yanzek, il y a toujours bien, tu vois, l'émission est bien préparée, salon de coiffure, habillement, couturier, tu vois. Dans les jours à venir, les sponsors, Kasumbare, ça, on a la culture, à sponsoring, au moment où ma société, il y a Ming, on a bien battu tout le monde, moi, c'est le moment, moi, désormais, monsieur Albert Léo, c'est Ming, tant de soutenir autant. Kashiba Close, ce qui me vient au Kasumbare, ça, parce qu'il n'y a pas de gens qui soutiennent les jeunes. Très bien, artistes. Moi, je ne vis pas ici parce que. Quelqu'un de Lubumbashi, papa Kosa cinquantenaire. Ici à Kasumbare, il n'y a pas de gens qui peuvent sortir qui n'ont close, on ne va pas cliquer à toi qui chasse ça. Il ne peut pas sortir sur 5 000 $. Il y a un petit nombre qui chasse de poursuite. Mais à Lubumbashi, puis tu pars à Afrique du Sud, à Kinshasa. Oxygène, Manix, allez au Kinshasa, Mike Makin, Mabale. Tu vois. Mais ici à Kasumbare, ça, ni ambiance, tout. Je dis close, tu chantes bien, tout. Moi, je m'en fous de ces gens-là. Moi, j'ai besoin de ces gens qui soutiennent vraiment l'art. Je dis voilà donc ta clause. On a quand ça dans ma musique en petit. On a dit fallait dire maman ma clip ou c'est n'importe quoi moi ou pas. Des gens comme ça c'est ce que j'ai besoin vraiment. Surtout que vous êtes dans la Albert Léo qui vit sans sponsor. Abi na bien, abi honoré. C'est trop honteux. À clause si on a sponsor parce que Maris. Ça fait pas du bien. Très bien. Un message très bien capté. Tu as il y a ma maison brassicole, Bazolanda. Pourquoi pas les maisons des réseaux. Il y a jeunesse, il y a culture, il y a des mais on a eu pour il y a. Après le confinement, il y a un tocha, il est maman, il y a un massan, sérieusement. Pourquoi pas, il faut dénoncer. Alors on termine l'émission par ici. Merci à vous tous, vous étiez nombreux, hein, grâce Baleke. Merci de nous regarder. Merci aussi à la grande équipe de Sur vos traces côté Sodimico. Je n'ai pas oublié, c'est plus que le pertinent. Très bien. Il y a petit langage d'Eric et à Valère. Petit langage, vous savez, tout à l'heure, petit les pionniers. Très bien. Alors, merci à Eric Lubacha, en train de nous produire, techniquement aussi également. Et à Mike Moukekwa, Gelor Kabongo, Serge Kayombo. Alors, Gelor Kabongo. Toujours. Lui, de tous les temps, Gaze, lui, c'est moi. D'ailleurs, toute l'information, c'est moi qui l'avais surnommé Gaze. Tout le monde l'appelait Gelor. Moi, je dis top. DJ Gaze. Voilà, c'est partout, c'est tout le monde qui s'appelle Gaze. Voilà. Alors, on remercie Samson Steven Kasonga qui était au four et au moulin et même qui nous a aidé avec tous ces éléments que vous avez vus sur Dr Close. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité. Allez, bye bye. Merci de rester fidèle à nous. Yo, Kanga, Close, I'm back again, I am the king, I am the king, Soba na soba basala buzoba moko bazaba soba bayele na yele basala bayele moko bazama yele gulu na gulu basala bungulu moko bazaba gulu biso na biso tozo bunda pona nini bicha sakatanga kasai peple moko hake tu me pousse faire de clash Dr Close la sinakoli benganga mwana mboka di rochette tokula kana me biso na biso tozo bunda pona nini
Dios legal a mi bunda pona rapa king. Docteur Clona Katanga mama, I am the king. Respecte à nous qui font le rap français, les 12 ans l'a dit. Mais puis son avis sur tous bunda pona nini. I am the king. Kisika boza koya, ukukutanga na sina fundi. Mama mabo beta bikele kele, papa mabo beta basiple. Moto na bulo na yena na moto na chance na ye. Hier ce n'est plus aujourd'hui, mais aujourd'hui peut-être demain. Le baiser là qui est yo, dans dix mois qu'il est loin, ils allent y aller. Dis ma belle, se laisser les pour tout le monde. Inch'Allah, j'atteindrai mon but. L'avenir est sombre, moto na torche na ye. La dernière phrase de mon couplet, j'ai dédié ça à tous mes potos. I am the king. Dealer, I am the king. Close, I am the king. Okay, I am the king. I am the king. Okay, I am the king. Dealer, close, I am the king. Oh, DJ 360.